Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer à prier un chapelet des mystères joyeux avec ce livre, Préparez Vatican III. C'est édité aux éditions CRC, contre réforme catholique. Voilà, ce sont des schémas préparatoires du futur Concile Vatican III que le Saint-Pontife devra mettre en œuvre très rapidement au début du millénium pour penser un peu les plaies de Vatican II qui a quand même été un concile litigieux. Et ensuite, le programme, c'est de prier sur ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis, des deux chapelets à thème, un sur la jeunesse et un autre sur les personnes du troisième âge. Voilà, nous allons commencer le chapelet des mystères joyeux avec d'autres mystères, le baptême du Christ, les noces de Cana et la crucifixion. Méditez donc avec la tradition. Au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, nous nous plaçons dans ta divine volonté, immerge toutes les âmes dans ta divine volonté, qu'immerge toutes les âmes passées, présentes et futures dans ta divine volonté, et nous nous unissons avec tous les saints et tous les anges pour prier ce rosaire, multiplie les grâces à l'infini. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Fiat. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Père, augmente la foi de toutes les âmes. Donne la foi à ceux qui ne l'ont pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père, augmente notre espérance en ces temps délicats. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, nous implorons un déluge de grâce sur toutes les créatures, sur toute la création, sur toutes les âmes, un déluge de grâce, de protection, de sanctification et de bénédiction. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Dieu qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Les mystères joyeux du rosaire. Elle est la femme de l'Apocalypse, victorieuse du démon, revêtue de la majesté du soleil qui signifie la gloire de Dieu, même parce qu'elle est sa conception, l'œuvre qui émane pure de sa gloire. Conception céleste avant sa conception terrestre du sein d'Anne, sa mère. Marie est la fille du Très-Haut. Même à l'égard de ses parents, elle est médiatrice. Elle a toujours existé dans le sein de Dieu, et voici que, par Anne et Joachim, elle est donnée aux hommes. À sa naissance, on vit s'élever une grande lumière sur les habitants du sombre pays. Isaïe 9, 1. Annonciation. Nouvelle Ève, Marie est séduite comme Ève, mais c'est par Dieu à la voix de l'ange disant: Réjouissez-vous, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Voici que vous concevrez et enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Jésus, nouvel Adam, sauve l'humanité par la grâce qui émane du cœur immaculé de Marie lorsqu'elle dit: Qu'il me soit fait selon votre parole. Cette acceptation ouvre en Marie le sein de l'humanité. Jésus est conçu,
Le Verbe de Dieu qui a créé le monde va le sauver par la médiation de Marie, indispensable comme l'ouverture d'un volet permet à la lumière d'inonder une salle. La lumière est celle de l'astre d'en haut, chantée par Zacharie lors de la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur. Le oui de Marie permet l'action salvatrice de Jésus dans l'incarnation, médiation de Jésus et de Marie simultanée mais différente. D'une certaine manière, celle de Marie est postérieure à l'initiative de l'amour du Père. Pourtant, si l'on considère la conception du Sauveur, elle lui est antérieure. Le ciel frappe au cœur de Marie, le volet s'ouvre et le pardon de Dieu éclaire et régénère le monde. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La visitation. Non seulement elle donne de son corps, de son sang, mais son âme d'épouse vibre à l'unisson de cet époux divin qui a pris chair en ses entrailles et qui sera aux yeux des hommes et de Dieu même son enfant. Avant qu'elle ne puisse parler et opérer la rédemption du genre humain, elle chante cette œuvre divine avec exultation dans son Magnificat lors de la visitation. Ayant appris de l'ange qu'Élisabeth, sa cousine, est enceinte, déjà à son 6e mois, Marie ayant elle-même en son sein l'Emmanuel, son fils, Dieu avec nous, avec lequel elle ne fait qu'un, se hâte au pays de Juda pour l'aider. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth à la manière de l'ange Gabriel. Réjouissez-vous, comme Marie, après Marie, grâce à Marie. Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. À son tour, elle complète les paroles de l'ange Gabriel. Vous êtes bénie entre les femmes et béni le fruit de vos entrailles. Jean-Baptiste est sanctifié par la médiation de Marie et d'Élisabeth, sa mère, avec laquelle il ne fait qu'un. Dès l'instant où votre salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Partout donc où Marie est présente, la grâce de son fils agit, comme le dit Saint Maximilien Marie Kolbe dans son acte de consécration à l'Immaculée Conception. Votre seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du divin cœur de Jésus sur nous tous, en passant par vos mains maternelles. C'est pourquoi le bienheureux père de Foucault faisait de la visitation le mystère incoactif d'une médiation rendue universelle par la glorification de Marie, désormais présente par Jésus, en Jésus, avec Jésus et pour Jésus à toute l'humanité. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La Nativité. Cette Vierge Mère atteste que son fils naquit à Bethléem, en Judée, la ville de David, peu de temps avant la mort du roi Hérode. À Nazareth, l'Annonciation se déroule dans le secret. À Aïn Karim, Marie dévoile son secret à toutes les générations en chantant son Magnificat. À Bethléem, c'est l'épiphanie, la manifestation de son secret aux bergers d'abord, puis aux mages, à tous, aux pauvres comme aux riches, aux juifs et aux païens, Noël. Diminutif d'Emmanuel, Dieu avec nous. Comment cela se fera-t-il? La réponse nous sera révélée, dévoilée dans la crèche du Rédempteur, enfant divin né du sein virginal de Marie, Verbe de Dieu commençant par elle, en elle, avec elle et pour elle, une existence humaine, fraternelle auprès de nous pour nous être un frère, un compagnon de route, un maître et à la fin un sauveur, si toutefois nous le recevons de Notre-Dame qui nous donne de son sein son Fils à aimer. Le premier fruit de cette contemplation est de nous révéler que notre Dieu Tout-Puissant aime la petitesse, la pauvreté, la fragilité. Pour le comprendre, il nous faut nous joindre aux bergers, fils d'Adam et Ève, comme nous, nos lointains frères en humanité, en péché et misère de toutes sortes. Mais déjà fils d'Abraham, enfant de Juda de la tribu de David. Ravi d'admiration devant la beauté indicible de l'Immaculée et reportant sur l'enfant notre adoration sur son invite. Près d'elle se tient Saint Joseph, homme juste, époux véritable et chaste de Marie et mystérieusement père de Jésus. Jésus-Marie-Joseph, trinité humaine dont les relations sont semblables aux processions de la trinité divine. Saint Joseph, image de notre très chérie Père Céleste, c'est Adam rentré en grâce. L'Immaculée est à la fois l'épouse et la mère de cet enfant qui est de Dieu, comme la présence de Saint Joseph nous le garantit avant même que la révélation divine nous l'enseigne. Marie est remplie d'un immense amour pour Saint Joseph, mais non pour ce qu'on croirait, à savoir qu'elle tiendrait de lui la gloire de sa maternité. Au contraire, c'est de n'en pas être l'auteur, mais le serviteur. Et l'accompagnateur bienheureux qu'il se voit ainsi aimé d'elle. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors je poursuis la méditation du mystère de la Nativité. Et l'Esprit Saint du Père et du Fils, où est-il? Il est leur commun coopérateur. Il travaille pour eux deux en la même œuvre, mais à quel titre et comment? Si cette œuvre est l'incarnation du Verbe, cette parole créatrice est émanée du Père. Elle est effectuée par le Verbe en lui-même et par lui-même, mais avec l'Immaculé où il vient nidifier, habiter et se faire de lui-même et d'elle un corps. Il a tout de l'époux qui féconde son épouse de lui et pour lui, se faisant en elle une humanité à leur commune ressemblance. Cette humanité, toutefois, ne se distingue ni ne se divise de lui. C'est lui-même fait chair et bien évidemment par lui-même et non sans son Père, dans un engendrement où il est l'époux et Marie l'épouse. Elle est aidée, soutenue, sanctifiée, divinisée. Au-dessus de toute créature, pour rentrer dans cette union nuptiale et maternelle tout ensemble. Quelle application merveilleuse de l'Esprit Saint dans le droit fil de son œuvre trinitaire. Et quelle intime union de l'Immaculée avec chacune des trois personnes divines, uniques, Dieu vivant. La plus touchante n'a pas été aperçue des théologiens. Est-ce parce qu'elle relève de la gynécologie? En tout cas, c'est le secret d'une connaissance pleine d'amour que nous livre l'abbé de Nantes, digne émule de Saint Joseph, époux de Marie, de Saint Jean Eudes et de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, enfant de Marie, de Saint Maximilien-Marie Kolbe, son chevalier servant. Voici ce secret. L'Immaculée Conception est la fille du Dieu Très-Haut, en laquelle son époux divin se fait une chair d'enfant, conduisant son épouse à y travailler maternellement, pour se retrouver ainsi sa mère sans rien perdre de sa virginité, tandis que lui, d'époux, est devenu son enfant sans rien perdre de sa divinité. Tel est le mariage du Fils de Dieu et de la Vierge Immaculée. Elle a parfaitement compris sa mission de mère de Jésus, mère de Dieu Sauveur. Lui faire d'elle un corps et un cœur qu'il immolera un jour pour opérer le salut du monde. À Bethléem, les mages, entrant dans le logis, virent l'enfant avec Marie sa mère. Lui et elle ne font qu'un. Médiatrice, elle offre l'enfant à l'adoration des mages, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. À cette épiphanie, la liturgie de l'Église associe le baptême de Jésus dans le Jourdain, qui marque le sacre du roi Messie, la voix du Père proclamant: Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Mais ce jour-là, où est la Sainte Vierge? Nous allons le dire plus loin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La présentation de l'enfant Jésus au temple. Il fut présenté au temple. C'est encore l'Épiphanie, manifestation du Messie Sauveur à Anne et Siméon,
qui personnifie Israël, du moins tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. À Marie, Siméon annonce qu'elle doit faire plus que d'y être associée, parce qu'elle doit y participer activement, comme une épouse dans l'ombre de son époux. Le vieillard lui prédit qu'un glaive de douleur lui percera le cœur. Elle ne fera qu'un seul cœur avec ce petit enfant qui aura un jour beaucoup à souffrir. Et vous-même, un glaive vous transpercera l'âme. La prophétie ne tarde pas à s'accomplir. Averti par un songe de la menace qui pesait sur l'enfant du fait de la jalousie d'Hérode, Joseph, son époux, gardien de sa virginité et de sa vie, l'a pris avec l'enfant de nuit et s'enfuit en Égypte par la route d'Ascalon, plus rapide et plus sûre que celle du désert. Arrivée sans encombre sur les rives du Nil, la Sainte Famille y trouva refuge au sein de la communauté juive résidente en Égypte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vie cachée à Nazareth. Un nouveau songe avertit Joseph de la mort d'Hérode. L'empereur Auguste, ayant partagé le royaume de ce dernier entre ses trois fils survivants, comme l'avait recommandé le défunt roi Archélaüs, fut nommé ethnarque, chef de la nation de Judée, d'Idumée et de Samarie. Craignant Archélaüs, Joseph décida de retourner en Galilée, à Nazareth, sa ville natale, placée sous le gouvernement plus clément d'Hérode Antipas. La douce rencontre. Le témoignage de Marie ne s'en tient pas là. Elle raconte comment, à l'âge de 12 ans, l'enfant Jésus fit une fugue. Après 3 jours de recherche angoissée, ses parents le découvrirent au temple au milieu des docteurs. Au récit de la réponse que fit l'enfant Jésus aux doux reproches de sa mère, on reconnaît toute la doctrine que nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Marie affirme qu'elle et saint Joseph, son époux, ne comprirent pas tout de suite la signification de cette parole. Non pas qu'ils aient ignoré l'origine divine de cet enfant du miracle, à eux révélé par les annonces faites à Marie et à Joseph, mais cette réponse de Jésus à sa mère inaugurait les révélations qu'il leur ferait sur l'inhabitation du Fils dans le sein du Père, et sa disparition de 3 jours était la figure prophétique de la douloureuse passion qu'il lui faudrait endurer, de sa mort sur la croix et de sa résurrection le troisième jour, par obéissance à son Père. De même que la transfiguration fait une trouée dans la vie publique de Jésus pour révéler ce qu'il est, l'homme Dieu au corps glorieux,
et que cette gloire est voilée et le restera jusqu'à la résurrection. De même, le maître des docteurs brusquement se manifeste pour quelques heures au milieu d'une enfance où on pourrait le confondre avec tous les autres enfants de son âge. Ainsi se trompent les gens de Nazareth et aujourd'hui les exégètes et théologiens qui prétendent que Jésus a été ignorant de sa mission jusqu'à son baptême, voire jusqu'à sa mort. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Donc nous allons prier maintenant le premier mystère lumineux, ensuite les noces de Cana et ensuite la crucifixion. Vint l'heure d'accomplir cette œuvre que le Père et le Fils avaient conçue de toute éternité. Un jour, Jésus quitta Nazareth et s'en fut demander à Jean le précurseur de le baptiser dans le Jourdain. Ce dernier portera son témoignage comme l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend, ravi de joie, à la voix de l'époux. Jean vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ce n'est pas la moindre des audaces de l'abbé de Nantes que d'identifier à l'Immaculée cette mystérieuse forme de colombe empruntée par l'Esprit Saint pour se manifester lors du baptême de Jésus, planant sur lui, tandis que la voix du Père se faisait entendre venant du ciel. Encore dans la grandiose théophanie dont bénéficia sœur Lucie à Tuy en 1929, comme dans toute l'iconographie chrétienne, c'est ainsi que se montre le divin Paraclet. Pourquoi? Les commentateurs s'attardent d'ordinaire aux perfections de cet aimable volatile. Mais la tourterelle rappelle notre Père et, plus éloquemment, un symbole biblique d'une inépuisable richesse, depuis le déluge jusqu'au cantique des cantiques et dans les psaumes. Elle figure l'épouse du roi, du Messie, du Dieu d'Israël, qui lui-même en loue la beauté. D'où l'audace de l'abbé de Nantes de supposer à l'Esprit Saint la volonté de revêtir une telle apparence pour déjà suggérer qu'il trouvait en Marie son sanctuaire prédestiné, non point son incarnation, mais vraiment son nid d'habitation, nous permettant ainsi de nommer Sainte Colombe de Jésus-Christ la Bienheureuse Vierge, nouvelle Ève de ce nouvel Adam, sa parfaite compagne, non point divine certes, mais pleine de grâce et coopératrice humaine du Seigneur du Paraclet. Alors l'abbé Georges de Nantes, c'est le fondateur du CRC, hein, c'est le fondateur
de la contre-réforme catholique. Il est décédé il y a maintenant, je crois, une dizaine d'années. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Les noces de Cana. Avec Jean-Baptiste, la Vierge Marie a donc éprouvé la puissance du Très-Haut lorsque l'Esprit vint sur elle à la parole de l'ange Gabriel. C'est pourquoi, dès l'entrée de Jésus dans sa vie publique, elle vit avant tous les autres sa gloire de Fils unique de Dieu, et devançant l'heure, elle le pria de se manifester, sachant bien qu'elle et lui, il n'y eut jamais l'ombre d'un dissentiment. Premier miracle de Jésus au seuil de sa vie publique. Marie est là avant son fils, et si son fils est invité, c'est grâce à elle. Il se fit des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus y était. Jésus fut aussi convié à ces noces avec ses disciples. À Cana se répète le mystère de l'Annonciation, où par elle Jésus est invité en ce monde. Le vin vint à manquer, ils n'ont plus de vin. Le vin, c'est la vie divine. Femme, c'est le nom d'Ève, l'ennemie du serpent et la mère des vivants. Jésus dira femme à sa mère quand, du haut de la croix, il lui donnera pour fils ses disciples en la personne de Jean. Mon heure n'est pas encore venue fixée par le Père, elle ne saurait être anticipée. Même Jésus ne la connaît pas. Cependant, Marie semble en avoir décidé autrement, et chose extraordinaire, le Père lui obéit à elle. Forte de l'autorité accordée par Dieu à cette femme, sa mère, médiatrice de toutes les grâces, donne ses ordres sans que Jésus s'y oppose le moins du monde. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, dit-elle au serviteur. Il fait remplir les urnes sans attendre que l'heure ait sonné. On ne saurait rêver plus parfaite connivence entre la mère et le fils. Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Première conversion des cœurs opérée par l'eau changée en vin, figure de l'Eucharistie à venir grâce à Marie. Jésus entra alors dans sa vie publique. Marie soutient de son silence et de sa foi aimante la prédication de son fils qu'elle connaît de l'intérieur pour avoir reçu et nourri dans son sein la parole de Dieu. Elle n'a pas besoin d'écouter des paroles semées comme une semence dans la foule, elle connaît la parole vivante avec l'intelligence du cœur et grâce à la communauté de vie d'une mère avec son enfant. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Le Saint Sacrifice. À l'heure fixée par le Père, nous retrouvons Marie debout au pied de la croix, face à la meute des ennemis du Fils, courageuse et silencieuse. Le Verbe seul parle. Elle ne fait qu'un avec lui, le cœur transpercé à mort, selon la prophétie de Siméon. Tous deux offraient pareillement un seul sacrifice, celle-ci dans le sang de son cœur, celui-là dans le sang de sa chair. Jésus donne à sa mère le nom solennel de femme comme à Cana. Ils officient. L'Immaculée corédemptrice est, comme son fils avec lui, en lui prêtre et victime, comme nous la montre la vision de Tuy. Femme, voici votre fils. Ainsi, à l'heure des ténèbres qui s'étendent sur le monde après la mort de son fils, elle est encore là, médiatrice, mère de tous ceux qui vont recevoir le baptême de l'eau jaillie du cœur transpercé de son fils et du cœur immaculé de Marie transpercé par le glaive de la compassion, conjointement, inséparablement. Tandis que l'enfant de la femme est élevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, victorieux. L'Église conçue sur le lit tragique de la croix est née à la Pentecôte, enfantée par Marie, mère et non pas seulement modèle de l'Église, médiatrice entre le Christ et les âmes que l'Église reçoit, le pouvoir d'engendrer sacramentellement par le ministère de la hiérarchie, puisant dans les effluves d'amour divin du cœur immaculé de Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, donc nous venons de prier à l'aide de ce livre préparé au Vatican III, des schémas préparatoires élaborés par la contre-réforme catholique. Donc c'est un livre que je garde. En général, je ne garde pas les livres, je les revends assez rapidement après. Mais celui-là, je vais le garder. On ne sait jamais. Voilà, sinon la suite du programme, c'est je vais prier donc des chapelets, deux chapelets à thème sur le livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Donc un chapelet à thème pour les jeunes et un autre pour les personnes âgées. Donc merci aux spectateurs qui ont regardé ou qui vont regarder. Et à tout de suite.